Je vais te raconter une histoire. Vas-y, fais voir. Waouh, t'es super fort en fait. Ça va faire la sixième fois que je te le dis et j'espère que je me trouve pas un peu trop souvent. Non, tu n'es pas. En plus de ça, t'es super gentil. T'es un amour. Je te laisse, j'ai un rendez-vous. Tu m'envoies les photos par mail comme d'habitude. Ouais. Hey Paul. Tu sais, en vrai, je sais pas pourquoi les autres te trouvent bizarre. Moi, je te trouve juste différent. Et tu sais, c'est mille fois mieux d'être différent que d'être comme les autres. Je pense que je dois juste trouver un monde. Je te laisse. Taxi. Merci. Bye. Ne pense surtout pas que c'est une histoire typique du nerd qui tombe amoureux d'une sublime fille trop bien pour lui. Cette fois-ci, c'est bien différent. Parce que c'est en partie mon histoire que je te raconte. Ce qu'il ressentait pour elle, c'était pas que de l'amour. Il y avait de l'admiration. Des passions communes. Militer contre la destruction des arbres au profit de la création d'infrastructures. Que nous allons réussir à le préserver. Elle avait tout pour plaire. Et lui faisait aveuglément confiance. La première personne à qui sa force me confiait. À chaque fois qu'il traînait avec elle, il changeait. Il devenait une toute autre personne. Il aidait souvent avec ses devoirs de littérature et elle en retour l'aidait à s'ouvrir au monde. Ce sont ces agglomérations de petites choses, peut-être infimes vues de regard extérieur, qui comptaient énormément pour lui. Et qui l'ont permis de vaincre sa peur et d'enfin pouvoir l'approcher. C'était merveilleux, rien que pour lui, t'imaginer pouvoir partager son monde de plus près. Mais il lui a brisé le cœur. Elle l'a complètement réduit en mille morceaux. Oh, it's different now. Moi, je te trouve juste différent. Et tu sais, c'est mille fois mieux d'être différent que d'être comme les autres. Mille morceaux. Et c'est là que j'apparais de l'histoire. Parce qu'à défaut de ne pas pouvoir être réellement la personne qu'il veut être dans la vraie vie, Paul se crée lui-même son propre univers où il est la meilleure version de lui-même. Et c'est moi, sa meilleure version. Désordre, il a mis dans sa chambre celui-là. Fallait bien que je revienne. Ça m'avait bien manqué aussi de reprendre la lumière. Cet idiot s'était épris d'amour pour une personne qu'il n'aimait pas en retour. Alors j'ai décidé de réécrire son histoire.
Mais pour ce faire, j'allais devoir comprendre pourquoi il aimait tant cette fille. Comment il avait pu encore confier son cœur après tout ce qui lui était arrivé. Après la mort d'Emily, après la mort de Malou. Pourquoi Layla? Alors je me suis mis à observer son couple. There was nothing left to say. How to get up, walk away. Il y avait quelque chose de pas net. Et un jour, je suis tombé sur une scène. Ouais, c'est ta cousine, c'est ça? Tu vas me faire croire que tu passes toute la journée dans une chambre avec ta cousine? Quoi? Tu crois que je te vois pas avec ton ami là, le soir de Saint-Paul, ton morel d'ami? Moi, si vous trouvez que t'en prends des soins de son photo, tu crois que je vois pas? C'est là, toi. De base, j'étais là juste pour observer comme d'habitude. Mais il s'est passé quelque chose d'inattendu. Paul a réussi à reprendre la lumière en l'espace d'une petite minute. Pour pouvoir assouvir ses pulsions. Et c'est là même sans utiliser le mot déclic, le mot nécessaire pour reprendre la lumière. Et rater. Ouais. Viens pardonner. C'est à ce moment que j'ai compris que l'amour s'était transformé en une véritable obsession. Top, c'était pareil. Et moi aussi. Mais ça, tu t'en doutais sûrement pas. N'est-ce pas? Layla. Trouble de la personnalité. Tu sais, je sais toujours pas comment terminer cette histoire que je viens de te conter. L'un qui aime éperdument. Je vais bien m'aider. Et l'autre qui détruit tout ce que le premier a construit. La dernière phrase se termine pas. Ludoma se retourne vers Layla en lui disant que Paul et lui étaient complètement obsédés par elle. Je vais me débrouiller tout seul. Un prédateur, ce n'est pas celui qui traque aveuglément sa proie. Tu sais, il y a un truc que j'ai oublié de te dire. Et c'est celui qui sait en tirer un maximum de plaisir avant de la dévorer. C'est que j'ai toujours deux coups d'avance. Ferme ta bouche! Fuck! Quoi, tu pensais réellement avoir l'avantage sur moi? Mais tout ça, c'est possible à cause de mon bon vouloir. Les liens desserrés, l'ambiance à proximité. Tu n'as toujours pas compris? Alors, c'est ça ton objectif? Me tuer? Me tuer Paul? Pourquoi tu as voulu que je sois obsédé par toi depuis le départ? Ah, tu pensais que tu n'avais pas compris mon petit jeu? Que tout ce que vous faisiez, que toutes vos apparitions publiques n'étaient qu'une immense mascarade pour que Paul soit de plus en plus attaché à toi. Il est là? Oh, il vient juste d'arriver. Alors continue de sourire. On doit paraître le plus naturel possible. Mais il s'est si bien comporté avec toi, alors pourquoi tu veux... Ah, il t'a tout raconté, cet idiot. Et je me suis approché d'elle. Je me suis approché d'elle et à chaque pas que je faisais vers elle, elle est reculée. Elle reculait, reculait. J'arrivais pas à me contrôler. C'était comme si j'étais possédé par une autre personne. Et quand je suis arrivé assez près d'elle, j'ai levé mon arme. J'ai pointé mon canon sur sa tête. Et je l'ai tué de sang-froid, sans aucune émotion. Tu m'as mermé, Layla. Il t'a raconté son histoire en ne sachant pas que vous étiez parenté. Parenté à la fille que j'ai tuée en reprenant la lumière. Moi non plus, je ne savais pas. Je viens juste de la prendre à l'expression de ton visage. Finalement, j'aime bien cette histoire. Mais je pense qu'elle va se terminer comme les autres. Comme Emily ou comme Malou. Comme toutes ces histoires que j'ai décidé de terminer en reprenant la lumière. Et retrait. Hey frère, c'est à cause de Layla que tu fais ça. C'est du fake toute cette histoire. Je t'assure, c'est du fake. C'est pour monter frère, elle me paye pour le faire. Elle me paye, elle m'a parlé d'un mot déclic, je sais pas. Est-ce que tu connais le mot déclic? Le mot déclic, non. Le mot nécessaire pour reprendre la lumière. Pardon. Et retrait. Supplie-moi. Pardon, pardon mon frère. Ouais. Je vais pardonner.
Laila, qu'est-ce que tu fais ici? J'espère que je me fais de mal. Un prédateur, ce n'est pas celui qui traque aveuglément sa proie. Je suis vraiment désolé. Et c'est celui qui sait en tirer maximum de plaisir avant de la dévorer. Je suis vraiment désolé de m'être foutu de toi. Laila se saisit du couteau. Ludoma la saisit par la gorge et la projette sur le lit. Il s'ensuit une conversation où Ludoma essaye de connaître son vrai but. Laila, prise par l'émotion et par la peur de mourir, s'écrie et raterait, espérant le retour de Paul. Malheureusement, ce mot n'est qu'une évocation de Ludoma, qui avait depuis le départ deux coups d'avance sur elle. Cette histoire aura finalement une chute comme l'histoire de Malou ou encore celle d'Emily. L'amour de Paul meurt à la fin. So welcome to the fire. I'm the one.